Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons donc à Méribel découvrir le télésiège débrayable 4 places du golf. Cette installation a été construite en 1998 par le constructeur Pomagalski et c'était un télésiège pince fixe 4 places. Durant l'été 2009, l'installation est transformée en débrayable avec des gares satellites. Les sièges ont été changés ainsi que le P1, le sens de montée a été inversé, donc depuis 2009 la montée est à droite. La gare aval est donc la gare de tension située à 1412 mètres d'altitude. Le télésiège a un débit de 1500 personnes par heure à la montée et 700 personnes par heure à la descente avec une vitesse d'exploitation de 5 mètres par seconde. Le télésiège est exploité pour la saison d'hiver. Sa ligne fait 1524 mètres de long avec un dénivelé de 302 mètres. La ligne comporte 13 pylônes plus 2 balanciers de 8 galets compression intégrés à la gare aval. Les sièges sont des doudouks de rénovation équipés de pinces Omega T. On peut remarquer que sur certains pylônes, les balanciers sont plus gros du côté descente que de la montée. Cela est dû à l'inversion du sens de marche d'exploitation, mais comme le nombre de véhicules a été quasiment divisé par deux, les petits balanciers de la montée suffisent. Ha ha ha!
La gare amont est la gare motrice avec le moteur d'origine. Elle est située à 1714 mètres d'altitude. La salle des machines est quant à elle enterrée. Le moteur est alimenté en courant continu et sa puissance développée est de 338 kW. Ainsi s'achève cette émission. Je vous remercie de votre fidélité et à très bientôt sur RMTV.